Bonjour à tous, c'est Willow et Holly. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Solstice. On part à l'aventure avec Willow et Holly. Tanana, 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 Oh yeah. alors, je ne sais pas si vous avez reconnu la chanson, mais c'était la chanson de Beyoncé, C'était la. Texas. Oui, la C'est chanson pas du que tout ça. Oli a mis dans notre story, Non, mais oui, c'était, je l'ai trouvée que excellente. j'ai kiffé. Alors, je suis pas dans la story, qui est sur Tanana, Insta tanana. et sur TikTok Oui. et sur Facebook. Pourquoi j'y suis pas? Parce que à ce moment-là, quand t'as fait cette story avec les filles, Tu joues à Star Wars? j'étais en train d'initier un couple d'amis à Star Wars. Encore. Voilà. Et donc, non, cette story, j'ai tellement kiffé que je me la suis passée en boucle. Ouais. Vous avez Et tellement assuré. c'est tellement dommage qu'il n'y avait pas Willow. Tout le monde a dit, mais pourquoi Willow danse pas? Parce que enfin, il sait danser, moi non. Et Ah! Excuse-moi. qui? Ben, le troisième modérateur est arrivé, Judice. Même Judice! s'il s'est couché tard hier soir, même s'il s'est levé tôt ce matin, eh ben, il est là. Ben, Hans-May qui dit, moi aussi, j'ai 3 heures de sommeil, pas d'excuses. Allez, gros plan. Non, 3 heures, il s'est levé à 3 heures. Gros Gros plan? plan pour Judice et on fait une chorégraphie. Tananana, 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 pardon Beyoncé, j'ai gâché ta chanson. Exactement. Tananana. Mais ce morceau, elle l'aime beaucoup, Ah oui, je Oli. vais passer en boucle cet Et été. sachez que ceux qui passeront par la maison cet été, ça fera partie de la playlist. C'est Je clair. l'ai déjà mis sur la playlist de cet été, ce morceau. Il est excellent. Ouais. Eh bien, écoute, Oli, moi, je suis prêt à en découdre, mais en découdre d'une manière totalement amicale. Alors, on joue. Les prédictions, 61% pour Oli. Merci, Enzmae. Ah bah ça y est, j'ai gagné. 61% pour Oli, ça va. J'ai 39% pour moi. Ça va. Va. Ça va, correct. Correct, correct. Ce soir, on se retrouve à jouer à Solstice. Merci encore à notre ami Judice qui nous l'a prêté il y a une petite semaine. On pourra te le rendre parce que la bonne nouvelle, mais tu le sais déjà, c'est qu'on va en recevoir un voire deux de la part de Lumberjacks et ça dès ben, demain. Attends, laisse-moi Sous faire. peu. Non mais attends, je sais poser une boîte en diagonale. Oui, mais C'est exactement l'emplacement? là c'est C'est exactement pas pire. comme ça. Non. Là, j'aime mieux. Vous savez, on peut faire ça toute la soirée, hein. Il va la Le remettre. pénible. Donc, merci encore, Diodice, pour le prêt de cette boîte. On va te la rendre. Je sais que tu as un article à écrire sur Solstice. Donc, Solstice, c'est un jeu uniquement à deux joueurs de Bruno Catala et de Corentin Lebras et qui a été illustré par Gorobei. C'est un jeu pour deux joueurs, pour une quinzaine de minutes les parties, quand on a l'habitude de jouer. Nous, la première partie avec Oli, on discutait, etc. Ça a duré 30 minutes. C'est un jeu familial à partir de 8 Oui. ans. Et on est donc des enfants qui allons, le jour du solstice, le jour le plus long de l'année, aller Travers la montagne. gravir une montagne et tenter d'allumer des feux en haut de la montagne. C'est ça. C'est très sympa, c'est très zen comme jeu. Et c'est un jeu qui est basé sur la mécanique du Hanafuda, un jeu traditionnel japonais sur lequel Bruno Catala et Corentin Lebras se sont inspirés pour la mécanique de base du jeu. Mais après, le jeu n'est pas du tout le même que Hanafuda, il faut le savoir. Et on va devoir, de notre côté, reconstituer au mieux la montagne. C'est Sauf ça. que pour reconstituer la montagne qui se trouve en haut à droite de l'écran, eh ben, on va pas pouvoir reconstituer tous les deux la même montagne. Pourquoi? Parce que chaque tuile dans ce jeu, Oli, est en un seul exemplaire. Donc, les feux de la Saint-Jean, nous dit Enzmae, ouais. Et donc, si tu vas prendre, par exemple, le 1 rouge qui est en bas, à gauche de la montagne, eh bien, moi, je ne pourrai plus le prendre. Il Oui, c'est ça. faudra, si je veux, donc, arpenter cette montagne du bas vers le sommet, il va falloir que j'en prenne un autre chemin. Voilà, donc, on va vous montrer peut-être en zoom ce que donne la petite aide de jeu qui nous permet de savoir, en fait, que les tuiles de couleur rouge, orange, verte, bleu,
rose et violette, correspondent à des lignes de la montagne, du bas vers le haut. Et les chiffres de 1 à 10 correspondent à des colonnes, donc de droite, de gauche à droite. Voilà. C'est ça. Aussi simple que ça. Le petit visuel qu'on a ici, c'est l'aide de jeu, nous permet au début de bien savoir où est-ce qu'on va placer ces tuiles. Mais il faut savoir que sur les tuiles aussi, il y a un petit pictogramme en bas à gauche qui vous dit que, par exemple, la tuile verte, elle fait partie, 1, 2, 3... Du troisième rang. Du troisième rang, voilà, de la montagne, de la troisième ligne. Donc ça, quand on a l'habitude de jouer, je pense que rien qu'avec ce petit visuel, on sait placer ces tuiles. Peut-être un jour, ils nous feront un petit playmat. Écoute, j'y ai pensé. Ouais, ce serait bien. Le petit playmat qui va bien, qui nous permet de poser les tuiles dessus. Ouais. On aimerait bien. Je vous avoue, c'est du luxe, hein. Mais, ouais. Mais moi, j'aime le luxe. Donc, on est parti pour jouer à Solstice. Qu'est-ce qu'on fait au début de la partie dans Solstice? On récupère toutes les tuiles, on les mélange bien. On crée une file de tuiles face cachée, 6 tuiles. Par-dessus, on crée une file de 6 tuiles face visible. Visible, ok. On a donc une pile de tuiles, on a une pile d'arc-en-ciel et on a une pile de petites plaquettes en bois. C'est de la qualité, ce ne sont pas des cartes, ce sont que des tuiles. Et là, c'est carrément des petites plaquettes, ce sont les esprits de la forêt, enfin les esprits de la montagne, que l'on va pouvoir rencontrer au fur et à mesure de notre pérégrination dans la montagne. Voilà, ça, on va vous expliquer tout ça tout en jouant. Ça sera plus fluide. Franchement, il est très agréable ce jeu, vous allez prendre du plaisir. On va prendre du plaisir. Ouais. Qui c'est qui veut commencer la partie? Qui c'est qui a perdu la dernière fois? C'est moi. C'est Willow qui a perdu. Donc, non, mais d'habitude, attends. Qui a perdu la dernière fois à ce jeu? Oui. C'est toi qui as perdu? Tu as perdu plusieurs fois, je crois. Oui. Je vais pas spoiler, mais... Alors, Icoc nous dit déjà, si on joue avec l'esprit maléfique, non. Dans ce jeu, il y a un petit esprit maléfique, c'est très bien, Icoc, j'allais en parler. Pas gentil. Qui est dans les esprits de la montagne. Il est conseillé dans les premières parties de ne pas l'inclure parce que c'est une petite règle particulière. C'est la petite règle de Bruno Catala qui aime bien le côté un peu chafouin avec l'adversaire qui va lui faire perdre des points, etc. Nous, on a décidé dans les premières parties qu'on allait faire de ne pas le mettre. On attendra 3-4 parties avant de le mettre. Okay. Donc, on va jouer donc avec tous les autres esprits de la forêt, la montagne, mais pas l'esprit maléfique. Voilà. qui n'est pas une variante de jeu, mais c'est simplement, ça rajoute juste une petite règle. Au début de la partie, donc si je commence, comment ça se passe? On va piocher tous les deux au lit 3 tuiles. Donc, tu veux que je te les donne? Mais ouais, parce que je vois que tu as super bien rangé. Je ne voudrais pas mettre le bazar. Merci Willow. En fin d'après, elle me dit, Willow, on en refait une petite là, avant le live de ce soir, tout ça. Je lui fais, ça va pas bien, non? J'ai tout rangé. J'ai tout installé. Il m'a interdit de jouer. Les caméras sont mises, machin. Non. Donc, on joue toujours avec 3 tuiles en 1. Et donc, on va devoir, à chaque tour, c'est très simple, hein, on va devoir proposer une tuile au centre de la table et vérifier si on peut, avec cette tuile, capturer notre tuile. Donc, je vais commencer par jouer. C'est parti. Ça peut être pas mal, ça. Allez, je vais proposer, alors je vais vous le montrer un peu en gros plan, je vais proposer un 8 bleu au centre de la table. Et pour capturer une tuile, c'est simple, pour capturer une tuile, avec un 8 bleu, je peux capturer un autre 8 ou une autre tuile bleue, tout simplement. C'est ça. Donc je pourrais capturer en l'occurrence ce 9 bleu ou ce 8 rose. Et là, en l'occurrence, si j'ai envie de faire un panorama le plus grand possible pour gagner des points de victoire à la fin de la partie, ça peut être pas mal de tout de suite capturer ce 8 rose. Ok. Donc c'est parti. En fonction donc du panorama que vous avez en gros plan là, je vais placer mon 8 bleu qui va être plutôt par là, et je vais capturer tout de suite ce 8 rose, tac, qui va être, si je ne m'abuse, juste au-dessus. Oui, c'est ça. Tac, je vais les placer à peu près comme ça. Et donc là, j'ai recréé déjà un petit pan de la montagne. Ces tuiles qui sont en un seul exemplaire, et ben Oli ne pourra pas les avoir. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait ça? Ben, s'il y a une tuile face cachée, on la dévoile. On la révèle. Et tu pioches une tuile. Et je repioche une tuile. Et là, vous avez un tour de Solstice. Aussi simple que ça. Je profite simplement Oli pour dire comment on gagne à Solstice. À Solstice, on gagne
Le plus grand pan, le plus grand panorama de tuiles qui sont adjacentes vont nous faire gagner en fin de partie un point de victoire. Les feux qui seront allumés en haut de la montagne, il y a certains feux, il y a certaines tuiles qui ont des feux. Eh bien, si ces tuiles, elles sont reliées n'importe comment, hein, avec un chemin adjacent au pied de la montagne, ça va permettre d'allumer le feu. Et donc, chaque tuile qui a un feu permettra de gagner aussi un point de victoire supplémentaire. Et vous le verrez plus tard dans la partie, quand on va récupérer des petits esprits de la montagne, chaque esprit donnera un petit axe de scoring différent et un point par esprit supplémentaire. Voilà. Celui qui a le plus grand nombre, le plus grand score, gagne la partie. Alors, je vais commencer. Je joue 1, 8, vert. Je Donc, peux capturer tu peux capturer, y a soit pas, du vert, soit un autre 8, il n'y a pas d'autre 8. soit un autre 8. Donc là, tu as le choix entre un 7 vert et un 4 vert. Un 7 vert. Normal, parce que c'est deux tuiles adjacentes, c'est bien joué. Zoom. Petit zoom. Voilà, donc, Donc, c'est troisième ligne. troisième ligne, mais plutôt côté droit au lit. Ah oui, ça va Ouais, comme ça. parce que ça va de 1 à 10. Ouais. Ouais. Attention, laisse-toi la place pour deux tuiles aussi. 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. Et je révèle. Tu révèles la tuile. Trop sympa les esprits, les effets des esprits des Djendis. Et je Ouais, pioche. Ouais, j'aime bien. c'est vraiment très sympa. Ça donne Pas terrible. le petit plus au jeu, j'allais dire. Ouais, Ouais. vraiment. On vous dira bien sûr dès qu'on peut rencontrer un esprit, dès que l'occasion va arriver. Les petits Alors, esprits de la forêt. J'aimerais bien faire ça. Tac, tac. Bon, bah, je vais proposer au centre de la table un 6. Vert, je peux capturer ce 4 vert ou un autre 6. Et en l'occurrence, là, T'as des bonnes tuiles, toi, hein? Ouais, je vais prendre le 6. Je vais prendre le 6 rose. Allez. Donc, le 4 vert, il va se mettre où? Le vert, c'est 3, c'est juste en dessous du bleu. Donc là, il y aurait le 7. On va dire que le 6 serait par là. Et dans la ligne du rose, le 6 serait par ici. On va dire que c'est à peu près ça. Voilà. Je vais retourner cette tuile et repiocher au lit. On doit toujours avoir Trois tuiles, trois ouais. tuiles en main. Trois tuiles en main. Voilà. Quoi qu'il dit, j'ai mes petits préférés comme esprit. L'écureuil. Alvad qui nous dit le loup, c'est mon préf. Vais mettre le 2 bleu Yes. et je vais prendre le 9 bleu. Tu peux. Le bleu, il est situé au-dessus Le du bleu, c'est vert. quatrième ligne, au-dessus du vert. Je vais révéler, si tu veux, cette tuile. Allez, on. Et je pioche. Ah, Non, je regarde. j'ai vu tes tuiles. J'ai C'est vu une de tes tuiles. pas J'ai grave. pas fait Ça me exprès. saoule, j'étais petite. J'ai Ok. pas fait exprès. C'est pas grave. Moi, vous l'aurez compris, j'essaie de me placer dans la partie droite de la montagne. Au Et lit. d'un côté, j'y suis aussi un petit peu. Ouais. C'est pas bon pour nous, ça. C'est pas bon pour nous parce qu'on est en train de se placer Ouais. dans le même pan de la montagne là. Et Ça me convient pas trop non plus, hein. ouais. Et on dit bonsoir à Vanessa. Mais Enzma, elle avait déjà fait. Merci d'être là, Vanessa. Merci d'être là. À nos trois modérateurs aussi. C'est toujours tellement classe d'avoir les trois en même temps. Ouais. C'est génial. Alors, je pense que je vais. Si je faisais ça. 6. Le orange, c'est haut, c'est en bas, c'est pas mal. Bon, je vais proposer le 9 orange et je vais capturer le 6 orange. Deux tuiles orange. Le 9 Bien orange. joué. Le orange, c'est en dessous du vert. Je vous mets le petit zoom encore. En dessous du vert, donc ça veut dire que le 9 se placerait à peu près là. Oh, il faut que je me décale un petit peu. Ouais. Pas très bien parti là. Et le 6 se placerait sous le vert. Voilà. En dessous du orange, on a le rouge. Donc je suis pas trop mal placé au niveau de mon panorama, je pense. Ouais, tu es plutôt bien. Et je repioche. Je révèle? Tu peux révéler, ouais. Ok. Donc, j'ai ça en main. Je montre en même temps à tout le monde. Vanessa qui l'a mis de côté dans son magasin, donc elle avait hâte de voir une partie. Bah, Ouais. c'est cool. Alors, je vais faire exprès de jouer un rouge, mais il n'y a pas de rouge. Ah, donc tu vas nous montrer comment ça se passe la seconde Il chance. n'y a pas de rouge.
Il n'y a pas de 1. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, je place ma tuile ici. Dans la file. Tu pourras la prendre. Et tu as une seconde. Une seconde Une chance. seconde chance. On va voir si j'ai plus de chance au hasard. Elle pioche une tuile, elle la révèle et elle la propose. Bon, bah, c'est un 5 bleu, elle a la possibilité de récupérer du bleu ou Ou des du seul. 5. Donc c'est nickel. Donc du coup, je vais prendre le 5 bleu que je vais positionner. Merci. Merci Serval, mes 6 sont mal placés, ils sont à l'emplacement du 7. C'est pour ça qu'il faut un play-matin. Merci. Et je vais capturer. J'allais m'en rendre compte, hein. Pardon. Merci beaucoup. Le 5 violet. Je ne sais pas où il est. Il Le est violet, c'est au-dessus. au-dessus du rose, donc ouais, Non, c'est ça. ici. Ok. Donc, vision dans l'espace, bonjour. Bon, Oli. moi, il me faudrait le 7 vert. Il n'est pas placé, le 7 vert encore. Non, le 7 bleu. Le 7 bleu. Le 7 bleu, non, il n'est pas passé. Oh, je ne vais pas t'aider. Hein. Je sais, Tu je sais. regardes. Bon, le 7, j'aimerais bien récupérer le bleu. Le 7 bleu. Pense Bon. qu'il y voit mieux, la Willow. C'est pour ça qu'il va peut-être gagner. Je vois vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Alors, écoutez, je vais proposer le 3 bleu pour pouvoir capturer le 7 bleu. Ok. Donc, oh, nous avons un nouveau follow. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Donc, nous avons l'emplacement du bleu ici. Ça serait ici le 5, le 4, le 3. Le 7 bleu, il se trouverait ici. Oh, c'est plutôt cool. Là, j'ai un panorama qui commence à être joli, quoi. C'est Je vais joli. juste un petit peu décaler ça parce que. On prend de la place, Un hein? petit peu. Je repioche. T'as bien tes trois tuiles? J'ai bien mes trois tuiles. Ok, je joue le 5 rose et je vais capturer le 4 rose. Donc le 5 rose, le rose, c'est là. Trop fort, mes parents, je vous embrasse, je suis au travail. Oh, mon Ça, amoureuse. c'est gentil, parce que notre petite sommelière est au Almazuc de Pézenas en ce moment même, Oui. et elle doit proposer des verres de vin à ses clients. C'est ça. Ouais. Merci d'être passé par là, Malilou. Bisous. Et je Merci. pioche. Et merci de t'exprimer pour la première fois dans le chat, c'est Sissou, 37, qui nous dit salut. Bienvenue, Sissou. Eh bien, bienvenue Sissou, j'espère que ça va bien. Alors. Et c'est à toi, Willow. C'est gentil, Oli. Suis pas gentille. Moi, je veux pas la guerre, non, 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 Je le dis souvent, ça. non. Bon, l'idée, c'est d'avoir un panorama Qui soit relié qui soit relié avec du au rouge bas de la montagne avec du rouge, mais pour le sur ta moment, ferme parce que les j'aimerais. montagnes ça vole pas, Exact. Là, pour le moment, je enfin suis sauf dans le monde de pas très content Miyazaki. de ce que j'ai fait. Écoute, je vais proposer un 4 orange pour pouvoir capturer ce 3 orange. Ok. Hein? Pour le moment, je me débrouille comme je peux. Là, il y aurait le 5, là, il y aurait le 4 à peu près. Le 3 orange serait là. Ok. Et je pioche, et c'est à toi, Oli. Alors. Bon, il faut savoir que le panorama relié uniquement va le plus grand panorama relié va nous permettre de gagner des C'est points de ça. victoire en fin de partie. Donc là, il faudrait que je relie ce panorama central là, mais pour le moment, ben, j'y arrive Alors, je vais faire comme tout à l'heure. pas. Je propose, je joue le 1. Ah, mais il y a des 1. Là, tu serais Ah! obligé de capturer le 1, Non, hein? je veux pas. Tu veux autre chose? Tu Pardon. veux autre chose? Ben, je voulais la chance. Deuxième chance. D'accord. Donnez-moi une deuxième chance. Ah mince. Bon, tant pis. Je vais jouer le 2 vert. Pour prendre du D'accord. vert. Je voulais piocher. J'aime bien piocher au hasard. D'accord. Alors, du coup, 2, 4, un truc comme ça. Moi, il faut que je trouve le 6 bleu. Et Ça je pioche. serait vraiment bien. Le 6 bleu. C'est pas ce que je veux. Bon, on révèle ça? Pour l'instant, moi, je vole, hein. Moi, il faut que j'essaye de placer du vert aussi. Bon, écoute, je vais faire un truc. C'est à toi, Willow. Je propose le 9 vert. Il n'y a pas de 9 et il n'y a pas de vert. Je le veux bien. Trop tard, tu l'as posé? Je sais qu'il veut. Je Je le le veux. propose. Je fais une seconde chance. Je prends une tuile et je la révèle. Et je viens de tomber sur un 10 Ah, c'est bien pour toi orange. aussi. Ah ouais. T'as toute la Bon. ligne orange Bon, bientôt. je peux capturer un 10 ou du orange. Bon, il y a un 7 orange, je suis obligé de Ouais, c'est capturer. bien. C'est Donc, bien pour toi. je vais mettre ce 10 orange là.
Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Et le 7 orange, là. Tu t'es fait la ligne presque orange. Mais par contre, j'ai toujours pas de rouge, hein. J'arrive pas en bas de la montagne, moi. Ouais, j'en avais qu'un tout à l'heure. Écoute, je t'ai laissé un 9 vert. Oui, je suis Je trop contente. suis sympa, hein. Ouais. J'espère que tu n'oublieras pas ça. Je joue le 10 vert et je vais prendre bien sûr le 9 vert. On voit un petit bûcheron là, trop sympathique. Hop. Notre panorama pour le moment, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, elle est vraiment trop éparpillée. C'est wouh! Tananana, wouh! Tananana, Je tananana. propose le 9 rouge et je vais capturer le 1 rouge. Ah bah c'est bien ça. C'est bien. Bah au moins tu relis quelque chose au moins. Ouais. Et le 1 rouge serait où? 2 et 1 serait à peu près là. Oui, c'est ça. Écoute, je pioche. Là, non, là, je pars dans... là, je pars vraiment bien en cacahuète. Hein. Ouais. C'est ouais. Du coup, les sont tous. Je vais mettre le 6 rouge. m'intéresse. Enfin, je vais le poser hein, parce que j'ai seconde chance. Seconde chance. Ouais. Ça m'intéresse. Ouais, je sais. Et c'est un 4. Oh, alors là, on est dans la situation où Une situation très grave. là, non, c'est pas grave. C'est plutôt bien même. La seconde chance, Holly ne peut pas la jouer puisqu'elle n'a ni 4 ni violet. Donc du coup, elle doit laisser la tuile dans la file. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère un arc-en-ciel. We make a rainbow. L'arc-en-ciel va lui permettre de relier quelque chose dans son panorama là C'est où elle ça. veut. Par contre, attention, à la fin de la partie, la tuile arc-en-ciel ne rapporte pas de points. Mais l'avantage, c'est qu'elle peut la placer à un endroit stratégique. Une tuile, par exemple, que j'ai moi, qu'elle va pouvoir remplacer. Et Voici ce que je regarde. ça, c'est très bien. Blablabla. Ça, c'est du bleu. Il 4 bleus, je l'ai pas. n'y a pas. Mais je vais quand même la mettre. C'est un peu bizarre ce que je vais faire, mais. Ici. Non. Ici. Trop tard. Ici, mais j'avais pas posé. Voilà. Comme ça, je finis un Un rectangle. panorama. Qu'est-ce qui se passe quand on finit un panorama? On rencontre un petit esprit de la montagne. Tout ça pour avoir un esprit de la forêt. Donc, Oli, c'est la première à en récupérer un. On va dévoiler les deux premiers de la pioche. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut. On va vous les montrer un petit peu en un peu plus gros plan. C'est très très joli. Le zoom sinon. C'est des petites tuiles en bois. Sont trop choupis. L'ours et le scarabée. Ouais. Alors, que fait l'ours et que fait le scarabée, Willow? Eh bien écoute, deux têtes, je ne sais pas. J'en profite pour piocher ma tuile pour pas oublier. Alors l'ours il dit piochez immédiatement une tuile, vous en aurez donc une de plus en main durant la partie. Ah, ça m'intéresse. Le scarabée dit ajoutez à votre panorama la tuile face visible de votre choix parmi celles disponibles dans la file centrale. Ah, c'est bien aussi. Fais ton choix. Je prends le scarabée du coup. Ah attention, Non? non, c'était juste pour te dire que l'emplacement au-dessus du vert n'existait pas. Regarde, au-dessus du vert, il y a du 10 vert, il n'y a rien. Donc tu dois placer ton arc-en-ciel ici si tu veux faire ton D'accord. panorama. Merci Jendis qui nous dit, Merci. Oli, cet emplacement n'existe Et pas. Je je plains plane et je suis en amour, ouais. en amour. Alors du coup, je prends le scarabée. Ouais, bon, tu l'as mis là ton arc-en-ciel, ça marche. Le scarabée dit quoi déjà? Que je prends une tuile Ah oui, de et la je file la centrale. place, hein, on est d'accord? Et je prends le 4 ici. Violet. Ah Par contre, j'ai ouais. pas le droit d'avoir un autre scarabée. Non, non, non. Un autre. Non, C'est un par un tour. esprit par tour, ça c'est quand même bien. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits qui sont face visible s'accumulent. Le prochain qui va pouvoir placer un esprit de la montagne va pouvoir en choisir un parmi ceux visibles ou faire comme Olivier vient de faire, en révéler deux. Ok. C'est bueno pour moi. Si c'est bueno, si c'est bueno, c'est bueno. Bon, il n'y a toujours pas ce que je veux. Scandale, Oli. Ça va, En fait, c'est quoi? Ça aussi, ça aurait dû le faire un peu plus gros parce que moi, je vois rien du tout. Hein. c'est un mini scandale. Un C'est pour ça que mini. j'ai voulu le zoomer et avoir le playmat, franchement, ça serait une réussite. Bon, après, à force d'y jouer, je pense que tu as l'habitude après de les placer des emplacements. Mais c'est vrai que la montagne, elle fait comme ça. Alors, écoute, J'ai pas pensé. je vais.
Je vais proposer ce 5. Je vais proposer ce 5 rouge, Oli, qui va Et me tu peux prendre permettre le 6 de rouge. prendre le 6 rouge. Et je vais faire un truc assez sympatoche là parce que je commence à avoir une base à peu près bien là. C'est vrai, c'est 5-6. vrai. J'ai fait n'importe quoi, je lui donne des trucs super bien. J'ai mon panorama qui se complète. Bon, j'ai pas encore de feu. Si j'en ai un. Alors, je vous réexplique la petite règle qui dit qu'à la fin de la partie, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour pouvoir allumer un feu qui est en haut de la montagne? Pour qu'un feu soit allumé, il faut qu'il soit relié par des tuiles adjacentes au bas de la montagne. Là, à l'heure Au bas actuelle, de la montagne. mon feu n'est pas allumé. Il me manque soit le 7 vert, soit le 6 bleu pour pouvoir relier, ben, le bas de la montagne au haut. Dans ce cas-là, ça pourrait me permettre d'avoir un point supplémentaire pour, Ouais. mais là, pour le moment, c'est pas le Je cas. suis en train de me rendre compte que tu as pris presque tous les oranges, mais si j'ai pas d'orange, je ne peux pas relier mes montagnes. Si je prends tous les Ouais, oranges, ouais, tu ouais. peux pas aller en bas de la forêt, Ça, tu es en train de de la ouais, montagne, ouais. avec des arcs-en-ciel. Ah oui, des arcs-en-ciel, J'ai ouais. repioché au lit, c'est à toi. Ah, Et là, vous êtes en super. train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus qu'une tuile au centre de la file. Eh ben oui, c'est le jeu qui me le Ouais, veut. c'est le À un jeu. moment donné, il n'y a plus de tuile au centre. On va devoir forcément, pour capturer des tuiles, en proposer une et faire une seconde chance. Et là, la file centrale va se réapprovisionner de manière naturelle. C'est ça. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce jeu. Donc, je propose le 1 vert, il n'y a pas de vert, donc je le place. Ok. Deuxième chance. Yes. Et c'est du violet. Du coup, Et c'est je ne peux combien? pas capturer. C'est un 6 violet. Et ben t'as droit à un nouvel arc-en-ciel. T'as de la chance, toi, hein? Les Alors, arcs-en-ciel, ça aide bien quand même, arc-en-ciel. Donc tu dis que ça peut remplacer du orange hein, aussi. T'as combien? 4, 5. Mais ça, J'ai tu n'as trop. pas, mais t'as le 4. Ouais. Je vais positionner le 4 ici. Oui, comme tu sais que celui-là, eh Je ben, l'aurai pas. ouais. Ok. Et Au cas où, pour ma montagne. tu repioches? Et je repioche. Oh, ça va trop vite, là, il n'y en a presque plus. J'ai pas le temps de Ça jouer. va, ça va. C'est Bon, sinon, on fait en deux manches gagnantes, hein? Non, on Non? fait en une manche gagnante. C'est pas cool. On fera un vote. Par quoi je continue? Alors, oh, j'aimerais bien ce violet, mais je peux pas le prendre. C'est compliqué, hein? C'est pas terrible. Je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Je vais y aller à la seconde chance, hein. Je vais proposer ce 8 rouge. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de 8. Je le mets dans la file. Je pioche une tuile au hasard. Et je tombe sur un 2 orange. Si tu les prends tous, c'est Non, incroyable. mais il n'y a pas de 2, il n'y a pas d'orange. Ah oui, ouf. Donc, je mets dans la file et je récupère mon premier arc-en-ciel. Alors là, Willow, fais pas de bêtises. Pour que ça soit relié, il faudrait que je me mette soit au 6 bleu ou au 7 vert. Le 7 vert, c'est Oli qui l'a. Oui, c'est ça. Je ne pourrais pas l'avoir. Donc, je me mets là ou là. Le 6 bleu, tu l'as pas. Donc, par contre, le 7 vert, je sais que je ne l'aurai pas. Ou alors, je relie ici. Je vais faire pour relier. C'est le Non. casse-tête, je Je. te raconte pas. Et non, c'est super intéressant stratégiquement. Écoute, je me mets à l'emplacement du 7 vert. D'une part, ça me fait relier mon panorama. Ouais. Donc là, si la partie devait s'arrêter là, j'aurais un panorama grand comme ceci qui me rapporterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. C'est pas terrible, sachant que les arcs-en-ciel ne rapportent pas de points. Malgré tout, j'aurais relié le bas de la montagne à ce feu. Au niveau du 8 rose, Ok. j'aurai un point supplémentaire. Je prends une tuile pour finir mon tour et c'est à toi, Olivier. Ok. En espérant que tu ne peignes pas la tuile qu'il y a au centre que j'ai besoin. Ok, t'as besoin? Croisons les doigts. Ok. L'esprit Willow, merci, Ah oui, merci. l'esprit de la forêt, pardon. Merci, excusez-moi, j'ai repioché en plus et j'ai complètement zappé qu'il fallait que je prenne un esprit. Soit on tire de au hasard. Piocher une tuile, vous en aurez une de plus. Non, je vais piocher De au hasard? deux au hasard. Nous avons le loup et nous avons la petite abeille. Le loup, il dit quoi? Plus un point par portion de panorama différente. Waouh! Là, j'ai une portion de panorama. Là, j'en ai une. Là, j'en Non, ai mais une. Là, j'en non. ai une.
C'est bien ça, hein? C'est plutôt fort. Et l'abeille, elle dit quoi? Plus un point pour chaque esprit sur fond bois en votre possession. Ouais, Non, je vais c'est vite vu, prendre hein. le loup, hein. Oh là là, et en plus il a le loup, j'y crois pas. Je vous le montre, hein, il paraît sympathique ce petit loup là. Ouais, et j'aime bien l'illustration. Ouais. Ouais, le loup c'est bien. On est d'accord, le Ouais, loup le c'est loup c'est bien. très bien, ouais. Je mets le loup donc ici, au centre. Oh là là, j'ai tout touché. C'est trop, trop Oh énervant, non, trop, trop énervant. c'est surtout pas un jeu pour les maniaques comme moi. Et donc j'ai mes trois tuiles, c'est à toi. Merci d'être vraiment vigilant au niveau du chat, j'allais oublier mon esprit. Alors, je vais proposer le 2 rouge et je vais prendre le 8 rouge. Non! Savais que c'était celui-là. C'est ce qu'il me voulait. C'est ce que je voulais. Vas-y, pleure. Je Pleure, Willow. Et c'est à toi. Mais bon, je suis Bon, trop éparpillée là. Trop, trop je vais éparpillée. quand même faire un truc sympatoche. Cinq. Je vais proposer le 8 orange pour récupérer le 2 orange. Oui. Ils disent à Et tous, les les oranges. oranges, ça va. Donc le Ça 8 me orange fatigue, me permet ça. de relier Spanorama Ramallah? C'est Ramallah. pas Nawarallah. Et donc ça me fait un grand panorama. Et le 2 orange ici, c'est joli Ah, comme. c'est plus bas le rouge, joli. Ah oui, il y a l'orange, Ouais, c'est pardon. ça. En fait, comme j'ai pas d'orange, j'ai du mal à me repérer. Ouais, mets-toi pas trop basse pour qu'on voie à l'écran. Ouais, ça va, ça va. Ah, c'est bon. Écoute, moi, j'ai placé mon 8. Merci. C'est top, hein. Donc, Merci, j'ai Franck. un gros panorama là quand même. Je vais repiocher et c'est à toi. Alors, Et Rex nous dit hello merci. tout le monde, un petit coucou de l'ombre. Et l'abonnement qui va avec. Merci, Merci Rex. beaucoup. Merci, Rex. Tu refais ça? Merci, Rex. C'est Merci, trop Rex. bien. Merci, Rex. C'est vraiment super. 13e mois d'abonnement. Je propose, je vais jouer le 7 violet et je Yes. vais capturer le 6. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc là, on est pas mal, mais il faut juste que je relie Et là. Willow, plus le 5 orange et on se met bien là. Il les a tous, c'est horrible. C'est quoi? J'ai la Non, mais ligne. c'est horrible. Et je repioche, pardon. J'en peux plus de lui, j'en peux plus. Alors, est-ce qu'on fait la chance ou pas? Pas. Des stratégies dans ma tête. Non, mais on dirait pas, il faut calculer quand même les enjeux. Hein. Je vais proposer, je crois, le 7. Non, ça va arranger au lit, donc non. Ça l'arrange aussi, remarque. Tout l'arrange dans ce que j'ai en main, le 4. Ouais, tout l'arrange. Alors, en revanche, il faut positionner les esprits à droite des anciens, car on a le choix entre les deux les plus à droite. Les plus à droite. Donc le plus ancien, c'est... Donc le nouveau, il va là. C'est ça, Icoque? C'est ça. Voilà, comme Merci. ça. Merci, Coq. Super. Alors, Willow, que fais-tu? Je suis en pleine réflexion. Bon, écoute, je propose ce 4 rouge que je ne peux pas placer malheureusement. Enfin, que je ne peux pas capturer. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de 4. Ouais. Je tente une seconde chance. Et le 5. Non, c'est pas possible. Le 5 orange. Mais Mais tu peux pas capturer. je peux pas capturer, mais ça me permettait d'être bien. Bon, du coup, la seconde chance n'a pas fonctionné. Je prends un arc-en-ciel. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me relie tout ça? Est-ce que je me relie comme ça? Oui, c'est pas mal parce que ça me fait relier tout ça. Oui, c'est bien. Je me mets au niveau du 5. Ouais, allez, je me mets au niveau du 5 là. Et ça me permet de rencontrer un esprit. Puisque j'ai fait Ah oui, 4 tuiles très bien. adjacentes. Oui, t'as bien assuré, toi. Alors, On va se refaire, il reste 4 tuiles. Hein. On va essayer. Hein. Écoute, je révèle 2. L'oiseau à droite nous dit quoi? Nous dit Un point par tuile sur fond bleu. sur fond bleu. Enfin, les esprits sur Et fond la bleu. libellule, elle nous dit quoi? Elle est où? Ajoutez à votre panorama une tuile prise au hasard dans la main de l'adversaire. Ce dernier pioche une tuile en compensation s'il en reste. Ça peut être rigolo, Oh ça. non, j'ai envie de le taper dessus.
Je te mange. Ouais, allez, c'est rigolo. Ça fait pas rire. Donc celui-là, il coque, je le place à droite, c'est ça? Tac. Et donc je place cette libellule là au centre. On est d'accord? Ajoutez à votre panorama une tuile prise au hasard dans la main de l'adversaire. Alors, s'il prend celle que je veux, je le mange. Je prends celle-là. Ok. Ouf, 1. ça c'est passé la clé. Ouais, elle est bien pour moi. Le 1. Le 1 orange. Oui. Ça fait Il s'est passé que la je clé. relis tout là. Oui. Du coup, je peux piocher une carte, hein. Enfin, une tuile. Alors, oui. Parce que sinon, j'en ai plus que deux. Et moi, je pioche aussi pour finir mon tour à 3. Ok. C'est à toi. Alors, Icoque, dis-moi si c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est ce petit truc de niveau des règles que j'ai pas compris. Si je prends plus tard un esprit parmi ceux visibles, j'ai le choix parmi les deux les plus à droite, c'est ça, ou les plus à gauche? Parmi les deux les plus anciens? Les plus anciens. J'ai bien compris. Vas-y, tu peux jouer en attendant. Alors, je joue le 5 vert, je peux capturer le 5 orange. Ok, les deux les plus à droite. Ouais, merci Diandis, merci Coq. Ok, ben j'avais pas vu ce détail-là dans les règles. Comme quoi, hein, je pensais qu'on pouvait prendre tout ce qui était visible, tranquille. Hop, et du coup, je peux avoir un petit esprit de la forêt. De la montagne. De la montagne. Coucou Druid Scruti, je passe bien en retard. Eh ben écoute, c'est Bisous. bien la première fois que t'es en retard. Ouais, Donc du coup, on te pardonne. on te pardonne pas. Non. Alors. On te pardonne. Tu peux prendre les deux les plus à droite, la libellule ou l'oiseau, ou révéler deux. Je révèle deux. Allez. J'aime bien quand il y a le choix. Alors, ben la marmotte, elle te permet de rejouer un tour tout de suite. Et la coccinelle, elle te permet de gagner un point de victoire pour chaque symbole feu qui n'a pas pu être allumé. Ok, je vais prendre la marmotte. Ah. J'ai envie de rejouer. La marmotte, elle est trop bien. Donc là, t'es à 3 tuiles, ce qui veut dire que tu fais un deuxième tour gratos. Deuxième tour gratos. Je crois pas, Et monstre. je vais jouer le 4, le 10 rouge pour prendre le 4 rouge. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que je relis la terre. Ah, ça c'est. Et ça c'est génial parce que elle a 4 feux en haut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 feux qu'elle allume grâce à ce dernier tour. Alléluia! Et je pioche. Et toi, t'auras plus rien à piocher. Elle fait un dernier tour d'anthologie là. Eh ben, c'est fini. J'ai pioché. Punaise. C'est à moi. Ah, si, tu peux jouer. Ah non, tu peux rien. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus piocher? Qu'est-ce qui se passe, Foulo? Qu'est-ce que. Mais que se passe-t-il? Ben, pour le moment, il se passe rien. Tant qu'il y a des tuiles au centre de la table, on peut jouer. Après, il se passe quelque chose d'autre. Ok. Alors. Je propose le 7 rose et je capture le 3 rose. Donc le 7 rose, il va là. Et je capture le 3 rose qui me fait pas terrible. Et donc, on ne peut plus repiocher, on fait avec les pièces qu'on a en main. C'est à moi. Il faut que je puisse capturer. Je m'en rappelle plus. Il faut que tu puisses capturer, mais. Ah Le 3 ouais. vert, je capture le 1 vert. C'est ça. Joli. 1, 2, 3, 4. Moi aussi, j'avais presque tous les verts Willow, cette ton année. esprit, où ça? Il Ah avait un là. esprit? Oui, merci. Ah, chaque fois, il les oublie, Willow. Merci, merci. Mais je voulais voir si vous étiez en train de bien. Avec le 7 rose, excusez-moi. Bon, Oui, vas-y, vas-y, prends. ça change rien. Ici, j'ai 4 tuiles et je dois prendre un esprit. Merci, hein. J'étais concentré sur ce que faisait Oli. Que c'est moi qui fais les bêtises? Alors, écoute. Bon, écoute, je vais en révéler 2. Et en prendre un parmi les deux. Ouais. Alors, le poisson qui me donne une tuile arc-en-ciel tout de suite. L'écureuil qui me file en fin de partie avant le calcul des scores. Ajoutez à votre panorama toutes les tuiles restantes dans votre main. C'est bien aussi. Les deux, c'est sympa. Ah. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Par rapport à ce que j'ai en main. Je pense que je vais prendre l'écureuil L'écureuil. que je place ici. Ok. Ah bah d'ailleurs, Du moi coup, j'ai pas pris d'esprit là.
Du coup, toi, t'avais fini ton tour, c'est à moi? Ouais, il manque un esprit là. Aussi, toi aussi? Vous rappelez? Ça craint. N'oublie pas que tu as le loup, ouais, je sais, coq. Pourquoi j'ai pas d'esprit là? C'était à ton dernier tour que t'as fait ça, peut-être, non? Tu l'as oublié, Dienzmaï, ouais. Ah, pourquoi vous me l'avez pas dit à Parce moi? que c'est comme ça. Ah, vous dites à Willow et moi que dalle quoi. Il manque pas d'esprit. Ça a été. Ah, ça a été fait dans le même tour. Ah oui, merci. 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 Heureusement que ça va le suit. Mais tout le monde suit. Tout le monde suit, c'est très Vous êtes bien. au top. Parce que là, j'allais dire, moi aussi j'ai bugué. On est d'accord que c'est à moi. C'est à toi. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien au centre. Il n'y a plus rien dans la pile. Pardon, dans les tuiles à piocher, pardon. Donc, il faut que je voie si ce que j'ai en main, ça me permet de faire une proposition et une capture. Un 3 rouge et un 4 bleu. Non, Non, ça mais ne. t'as. Mais à la fin de la partie, je pourrai les placer Grâce à l'écureuil. grâce à l'écureuil. À Bien toi. vu. Donc, moi, Donc, je passe, j'ai fini. j'ai un 6 et un 7. Eh ben toi tu peux pas les placer non plus parce que tu ne peux pas capturer. Donc fin de partie. En fin de partie, moi, grâce à l'écureuil, je peux placer les deux tuiles que j'ai en main. Trop la chance. Donc j'ai un 4 bleu à placer et un 3 rouge. Voilà. Donc au final, T'as une grosse partie là, hein? oui, mais j'ai un loup Qui sert à rien qui du va pas me coup. servir à grand-chose puisque le loup me fait gagner un point Ouais. par panorama. J'en ai un grand et un petit, donc ça me fera que 2 points. Ouais, tant mieux. Bon, comptage des points. Comptage des points. Alors, écoutez, comptage des points, c'est simple. Comme je vous l'ai dit en début de partie, chaque tuile adjacente dans le plus grand panorama nous fait marquer un point. C'est parti, Oli. 1, 2, 3. Non, pas les Ah, arcs-en-ciel. pardon, les arcs-en-ciel, c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ok. Tu vas gagner aussi un point par feu allumé. Donc les feux Ah là, allumés, ils sont allumés. c'est les feux qui sont reliés Là aussi. au pied de la montagne. Donc c'est relié. Donc tous les feux allumés qui sont reliés au pied de la Ok. montagne font marquer un point. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, maintenant tu vas gagner un point par esprit de la montagne. 22, 23. 23. Est-ce que tu as un scoring de fin de partie avec un de tes esprits de la montagne? Je dirais que non. Non, c'est un petit score. Hein. Score de 23, c'est pas mal. Non, c'est pas terrible. À moi. 23, Oli. Willow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 plus un feu qui a été allumé parce qu'il est relié. 22. 20, 21. 21, pardon. Plus 3 esprits de la montagne. 22 et 3. C'est à ça, 25. 25. Et enfin, c'est tout, j'ai pas Le d'accord. loup. Le loup qui dit que. Je me rappelle Ça te plus. fait 2. Un point par portion de panorama différente. Donc 25, donc une portion de panorama, une deuxième. 25 et 2, 27. 27 à 23. Et c'est gagné. Il Wouh! gagne jamais un jeu. Il gagne en Yes! live. Je vais le manger. C'est vrai que j'en ai pas gagné une encore hors Parce que j'aime caméra. trop ce jeu. C'est le jeu, c'est mon jeu. On suit Jedi. 21 plus 3 par 22 plus 3. 21 plus 3, 24. Pourquoi Ecoq? Attendez, attendez, je refais. On recompte, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Attends. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. T'as compté laser arc-en-ciel, c'est pour ça, non? Non, non, 20, 20, 21 parce que j'ai un feu de relié au bas de la montagne. Oui, 21. 21 plus 3. 24 24, ouais, on s'était et pas 2, trompé. 26. Elle a raison. 26. 26, 23. On est Oh d'accord? là là. Ouais, 26, 20. Et à 3 points près, hein, quand même. Hein. Ouais. 26, 23. C'est quand même très, très bien joué au lit. Et puis, c'était très tendu. C'était Ouais. une partie très équilibrée. Celle d'hier, tu m'as bien, bien eu beaucoup plus que ça. 26 Willow, 23 au lit. Ça sera le score final. Merci d'empocher vos gains. Enzmae a déjà donc lancé
La fin des prédictions, 50. Oh là là, il y a eu des points de chaîne distribués à mon équipe ce soir. Un petit coucou. En passant, Divan Deldel, Ouais, j'espère que tout le monde va bien. On va tous très bien. Cette partie de solstice s'est super bien passée. c'était très agréable 26, et 23. moi j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire une tout de suite après. Et Ouais, ça, c'est bon signe pour un jeu. c'est super bon signe. C'est vraiment excellent. Le format de la boîte, franchement, c'est juste super. C'est juste super. Ouais, c'est un jeu que je vais avoir envie de proposer et de faire découvrir Oui. à des amis qui jouent souvent à deux. Ça, c'est clair. Ça nous plaît beaucoup. Chez nous, c'est validé. Alors que j'allais pas l'essayer et que. Bah, c'est la dernière fois, Gengis en a parlé aussi. Oui. Donc merci Gengis. Oui, Oui, tout le monde a dit, ouais, c'est bien, c'est vous en bien. avez parlé dans notre dernière vidéo. Vous avez parlé aussi de Boréal. Vous avez parlé Ouais. de jeux vers lesquels j'allais pas forcément. Et puis, ben, on prend aussi vos avis, bien sûr. Ouais. Vos conseils. Yes. Eh bien, pour YouTube, c'est terminé. Mais si vous voulez en voir plus, sachez qu'on est tous les mercredis soirs en live sur Twitch. Ça se passe super bien, surtout quand Willow gagne souvent en live. Et c'est très énervant, je peux vous dire que j'ai envie qu'une seule chose, c'est de le manger. Je vais le faire d'ailleurs. J'affiche mon plus beau sourire avec mes plus belles lunettes, mes nouvelles lunettes. J'en peux plus de lui. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces à cette vidéo. Yes. Un commentaire, c'est super sympa. À partager si vous avez des réseaux sociaux, Willow Oli, au monde entier, ça fait toujours chaud au cœur. Et Merci. c'est nous soutenir aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, venez nous rejoindre sur Twitch tous les mercredis soirs. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, C'est partagé, on on compte compte sur sur vous! vous! Pour ceux qui l'auraient raté sur les réseaux sociaux. Yes! Allez les filles! Yeah! Yes! Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. Ooh.